à l'affiche aujourd'hui, la France contre la Slovénie. Bonjour et merci de nous retrouver, Darren Tulette et moi-même, Grégoire Margoton, pour le match d'aujourd'hui. Salut Grégoire, salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce qui, j'espère, je sens en tout cas, sera un grand moment de football. Attention, occasion! Oui, c'était une bonne frappe, mais sans souci pour le gardien. C'est un bon arrêt au final, mais le gardien est aussi surpris que nous. Djokic. Jasmine Kurtic. Djokic. Ce sera une remise en jeu. Mauvaise remise en jeu, c'est récupéré. La casette. La passe est précise. Josip Ilicic. Dans le dos de la défense, il peut en profiter. C'est parfait, magnifique. Alors là, il ne prend aucun risque. Allez, ça doit faire but. But, but pour la France. Quelle intelligence dans la finition. Ils ouvrent le score dès les premières minutes de cette rencontre. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. Une belle échappée. C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. C'est passé. L'accélération. Quel plongeon du gardien. Oh, le manque de réussite. Il domine carrément en ce moment et s'est passé tout près deux, trois fois. On sent qu'à force de tenter, ils vont finir par réussir. Oh, la tête! Sauvé par sa barre. Au travers ou l'attaquant qui est exceptionnel. C'est très très bien joué là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Et le doublé. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Mais c'est facile, c'est trop facile à lire pour les défenseurs. Ça joue à la babane, il m'énerve là. Une très longue passe. La casette. Tente sa chance. Il est seul dans l'axe. Ça doit faire but. La frappe. Et ils alourdissent la marque. Ils comptent désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. La défense l'a un peu oublié. Manque de concentration.
La passe était millimétrée, elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. Et voilà, il réalise le coup du chapeau. Et les défenseurs doivent en avoir marre de lui. Il les a fait tourner en bourrique pendant tout le match. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Jasmin Kurtic. Vrzić. Il joue dans la profondeur. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Matuidi. Une très grande ouverture. Dans 5 minutes, l'arbitre va siffler la pause. Il restera un ou deux bons coups à jouer là. Ribéry. Josip Iličić. Ils font bien tourner, mais ça manque de verticalité. Vrzić. Josip Iličić. Le coup de sifflet de l'arbitre avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette pause. 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. 3 buts d'écart entre les deux équipes. C'est à se demander quel va être le score final. Jokic. Jasmin Kurtic. Il y va tout seul. Jasmin Kurtic. Moi, je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampons. Il est servi. Bien joué, ça. À toute vitesse vers la surface. Longue ouverture. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Ça sent la frappe. Il peut conclure. Là, il a préféré jouer la sécurité. La belle interception. C'est joué, loin devant. On a passé l'heure de jeu. Vrzić. La relance, côté droit. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Griezmann. Une très longue passe. Griezmann. Jokic. Ballon dans l'espace. Il peut repiquer dans l'axe. Oh, il est solide dans ses duels. Il va se présenter devant le but.
La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Il garde la balle. La casette. Josip Iličić. Jokić. Le bon service. Tout seul. Il continue. C'est bien fait. Une occasion. Oh, l'intervention magnifique. Essayez de s'appliquer sur ces corners. Oh, pas de chance sur ce coup. La casette. Il reste 5 petites minutes maintenant. Il concède un coup franc. Haris Vukic. Matuidi qui commet une petite faute. La casette. Il garde ce ballon. Va-t-il en profiter? Oh, la grosse occasion! Josip Iličić. Oh, quel geste! Ça joue long. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre. C'est fini pour cette rencontre. On l'a senti dès le début de la rencontre. Ils étaient là aujourd'hui pour attaquer, pour marquer, pour faire une vraie différence. Ils y sont parvenus avec...
Je peux commencer. Les deux équipes. L'équipe présente sur le terrain s'emprête à nous offrir du très grand spectacle et l'atmosphère est vraiment à la hauteur de l'événement. Pogba, Vrsić, Jokic. La passe est précise. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Pogba, il joue dans la profondeur. Il reste beaucoup de temps, mais toujours pas le moindre tir. Pogba, va-t-il en profiter ? Pogba ! Longue ouverture. C'est pas facile, ça peut se tenter. On en a vu rentrer de cette distance. Oh, l'intervention magnifique ! Il allonge. Et on attend encore le premier but de cette rencontre. Le bon service. Vrsić. Josip Iličić. Jokic. Jasmin Kurtic. Ils font bien tourner, mais ça manque de verticalité. Jasmin Kurtic. Il enchaîne les dribbles. Jasmin Kurtic. Josip Iličić. Jokic. C'est joué, loin devant. C'est passé. Josip Iličić. Jasmin Kurtic. Ou que ça va partir vite. Vrsić. Un but maintenant, ça serait pas mal. La
Oui, ses coéquipiers se comprennent, mais... à la perfection. Ils ouvrent le score, c'est un but qui vaut cher. Il y a une équipe qui en veut nettement plus que l'autre et ça fait toute la différence. Josip Iličić. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Matuidi. Griezmann. Josip Iličić. Jokic. Vrzić. Il tente de la jouer dans l'espace. Jokic. Josip Iličić. Vrzić. Jasmin Kurtić. Quelle course sur l'aile droite, mais il faut l'aider maintenant. 30 bons mètres de course, stoppé net. Pogba. Griezmann. Coup franc. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. C'est peut-être un petit peu loin, mais on ne sait jamais, vu la qualité de sa frappe. Pour trouver la faille dans la défense. Oh, l'interception! Danger repoussé pour le moment. Matuidi. Le coup de sifflet de l'arbitre avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette pause. 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. Le jeu est fluide, les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons pour eux que ça continue comme ça. Le score donc 1-0. On espère encore plus de jeux, de spectacles au cours des 45 prochaines minutes. Une très longue passe. Pogba. Il joue dans l'espace. Ça doit faire but. Oh, il marque. Il compte maintenant une avance de 2 buts. Tout est magnifique dans ce but. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Le voilà servi. L'arbitre siffle une faute. Bon dégagement, bien joué. Il cherche un coéquipier dans la profondeur. Griezmann qui semble sur la route d'un magnifique triplé. Quelles sont ses chances? Eh bien, vu ce qu'il a montré jusqu'ici, plutôt bonne, je dirais. Pogba cherche la verticalité. Vrzić. On a passé l'heure de jeu. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Jokic. Il est servi. Matuidi.
Benzema. Pogba, ça joue long. Vrsic. Pogba. Matuidi. Il joue dans la profondeur. C'est bien fait ça. Il est à distance de tir. Il peut conclure. Nouveau ce match. Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. Et quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non? Et voilà ce qui se passe quand vous laissez un joueur comme lui libre dans la surface. C'est suicidaire. Haris Vukic. Jokic. La passe dans la profondeur. Josip Ilicic. Jasmin Kurtic. Jasmin Kurtic. Un long ballon dans l'espace. Ça s'active sur le bord du terrain. On devrait assister à un changement. Il était fini, crevé, carbo comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire sortir. Grenier. Il peut y aller. Oh, ça aurait pu être le quatrième but. Griezmann, il va tirer ce corner. Mais ça ne suffit pas. Bon, c'était pas mal quand même. Il était pratiquement encerclé de défenseurs. Allez, il reste 5 petites minutes maintenant. C'est une remise en jeu. Attention, occasion! Il frappe au but!
Jokic. Josip Iličić. Oui. Oh, c'est contré. Qu'il était bien placé. Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Dans le tour de la défense. Et la touche maintenant. Haris Vukic. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Festival des attaquants aujourd'hui. Ils ont fait mal. Ils ont surtout connu énormément de réussite. Le score peut en témoigner. Mais quel match! De la qualité technique, de la vitesse, de l'efficacité. C'est vraiment le genre de rencontre qu'on adore.
Bonjour et merci de nous retrouver, Darren Tullet et moi-même, Grégoire Margoton, pour le match d'aujourd'hui. Bonjour Grégoire, bonjour à tous, j'ai vraiment hâte de commenter ce match à tes côtés. Et c'est parti! Et il est sorti du jeu. Ribéry! Pogba. Ribéry. Pogba. Il va frapper. Il peut conclure. C'est une frappe. Le premier frisson dans cette partie. C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. But pour la France! Le gardien ne pouvait rien faire là-dessus, n'a rien à se reprocher. Quand il voit le ballon, il est déjà trop tard. Eh bien, on n'aura pas attendu longtemps pour assister à l'ouverture du score. C'est bien ce qu'il fait là. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, la grosse occasion! C'est repoussé par la défense. Quelle belle entame après cette ouverture du score dans les premières minutes. Mais non, ça n'ira pas au bout. Oui, mais il est bien enfermé. Mati Anastasic. Kolarov. Attention à cette passe lobée. ...15 minutes se sont écoulées. Pogba. Ribéry. Une occasion. Et c'est au fond. Oh, maintenant, ça va être difficile de les reprendre. Alors, Darren, c'est la défense qui est passée au travers ou l'attaquant qui est exceptionnel ?
Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprennent, mais à la perfection. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Zoran Tosic. Il joue dans la profondeur. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Pour trouver la faille dans la défense. Touche. Mamadou Sakho. Griezmann. Il reçoit le ballon. Il joue dans l'espace. Il peut en profiter. La frappe. Et c'est le but. 3 buts d'avance. L'affaire semble être pliée maintenant. La défense l'a un peu oublié. Manque de concentration. La passe était millimétrée. Elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. C'est reparti. Le score est maintenant de 3-0. Il y avait danger, mais il a bien jailli. Tadic. Encore un quart d'heure avant la pause. Coup franc. Ribéry. Benzema. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Kolarov. Tout seul. Il n'a pas hésité, c'est propre. Tadic. Kolarov. Le bon service. Dans le dos de la défense. Pogba. Benzema. La relance côté droit. La belle interception. On se rapproche des dernières minutes de cette première période. Il peut encore se passer des choses sur la pelouse. Pogba. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. C'est intercepté, enfin un peu d'air pour la défense. Ballon intercepté, ça soulage la défense. Benzema. Benzema, la frappe. Et cette frappe, hors cadre. Sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. 3 buts d'avance, oui, on a vu un véritable festival offensif. Il est servi, il file vers le but. Pogba. Zoran Tosic. Mamadou Sakho qui commet une petite faute. Oui, bonne intervention de la défense. Matic qui écarte le jeu. Mamadou Sakho. Pogba.
Benzema. Il glisse le ballon en profondeur. Oui. Oh, le but! Le voilà, le renard, le voilà, le buteur! Oh, le résultat était déjà assuré, mais il continue! Il continue! Et quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non? C'est très très bien joué là, il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Et le doublé! C'est bon, il maîtrise complètement le match maintenant. Oh, quelle puissance sur cette frappe! Il prend quelques centimètres sur son adversaire direct et ça lui permet d'avoir une bonne occasion. Pogba, il allonge. Ribéry. Ouais, il frappe encore. Kolarov. Longue ouverture. On est entré dans la dernière demi-heure de la rencontre. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Griezmann. Nouveau centre. L'arbitre accorde un corner. Allez, essayez d'être précis, touchez un coéquipier. Il tente la tête. Ils ont une autre chance. Et ça passe à côté. Et maintenant Zoran Tosic. Faute, c'est indiscutable. Tadic. Zoran Tosic. Et le ballon continue de lui coller au pied. Là, il peut centrer. Le ballon sort en touche. Ça s'active sur le bord du terrain. On devrait assister à un changement. C'est un public de connaisseurs. Il salue sa sortie comme il se doit. Pogba. Faute, oui, faute. Et coup franc à venir. La passe est précise. Ça panique un peu là, la pression est énorme. Benzema. Sa marque. Allez, votre analyse, Darren. La défense l'a complètement perdu de vue. Il était libre de tout marquage. Voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant. Et il marque quasiment sur son premier ballon. Incroyable. Et désormais, ils ont l'air intouchables. Griezmann. Benzema. Il peut y aller. Le drapeau ne s'est pas levé. Il tente de la jouer dans l'espace. Et le danger est écarté. Matic. Tadic. Une très longue passe. Quelle inspiration! Il va se faire rappeler à l'ordre là. Oh, quel geste!
Le ballon sort en touche. Sur la touche, sa préparation est terminée. On dirait qu'il y a du changement dans l'air. Il est fini, crevé, cabot comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire sortir. Pogba. Il garde ce ballon. C'était un bon mouvement d'attaquant, mais il n'a pas pu frapper. Une très grande ouverture. Allez, il reste 5 petites minutes maintenant. Matic. Pogba. Griezmann. Le voilà servi. Il joue dans l'espace. Une occasion. Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Il concède un coup franc. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. Pogba. Oh, il continue son festival. On n'est pas passé loin d'un score de tennis. Et l'arbitre siffle la fin du match. Beaucoup de points positifs, bien sûr, à l'issue de cette rencontre, à l'issue d'une telle démonstration. Tout ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette large victoire est totalement... Le match peut commencer. Oui, bonjour Grégoire, bonjour à vous tous. Je suis ravi d'être parmi vous. C'est parti pour cette rencontre. Bale. Ramsey. Longue ouverture. Griezmann. Quelle inspiration.
Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Une très longue passe. Tout seul. La France a réalisé de belles choses, mais toujours pas de tir. Le ballon sort en touche. Benzema. La France qui n'a toujours pas créé le moindre danger pour le gardien adverse. C'est tout de même pas très rassurant de la part du gardien. Ramsey. Le coup de sifflet, ce sera une faute. C'est joué loin devant. Il n'a pas hésité, c'est propre. Et le geste plein d'autorité, quel tacle. Oh oui! 30 minutes au chronomètre dans cette première période. Un but maintenant, ça serait pas mal. Oh là, c'est chaud, quel tacle! Il joue dans l'espace. Énorme occasion! Oh, la grosse occasion! Techniquement, c'est superbe, mais ça ne donnera rien. C'était une course très impressionnante, conclue par un bon tir d'ailleurs, mais a sans doute manqué un peu de puissance dans son dernier geste. Le bon service. Ça doit faire but. Allez, ça doit faire but. Oh, le manque de réussite! Il domine carrément en ce moment et s'est passé tout près 2-3 fois. On sent qu'à force de tenter, ils vont finir par réussir. Ça passera sur le côté. Ouais, il est solide dans ses duels. Ribéry, ça sent la frappe. Oh, l'occasion! Il avait fait le plus dur pourtant. Il a parfaitement profité de l'espace dans l'axe. C'était très bien joué.
Ça joue long. Benzema. Une très grande ouverture. La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. 0-0, tout est encore possible dans cette rencontre. Ramsey. Griezmann. Benzema. Attention, occasion. Oh, pourtant la passe était parfaite. La défense a encore été prise sur cette passe. Il faut qu'il se réveille là. Mamadou Sakho. Il concède un coup franc. Ramsey. Et on attend toujours l'ouverture du score. Bale. C'était bien fait côté droit, mais il a besoin de soutien là. Mamadou Sakho. Il y va tout seul. Il tente de la jouer dans l'espace. Benzema, la frappe! Ribéry, il peut y aller. Oh, il l'a récupéré. Danger repoussé pour le moment. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Dans le dos de la défense, Benzema, la frappe! Oh, c'est dedans! Oh, c'était jamais facile les face-à-face avec le gardien, mais il est resté lucide. Tout a l'air facile avec lui, quel instinct de buteur! Ramsey. Bale. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Et le danger est écarté. Attention à cette passe lobée. L'arbitre a tout vu, il était hors jeu. Mamadou Sakho.
Ramsey. Ballon intercepté, ça soulage la défense. Ribéry. Bale. Ramsey. Bale. Ils font bien tourner, mais ça manque de verticalité. Faute, oui, l'arbitre a sifflé. Il garde la balle. Et il continue sa course. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Allez, il reste 5 petites minutes maintenant. Allez, plus que quelques instants à tenir. Bale. Ribéry. Il va frapper. Il continue son action. Oh, quel geste! Il peut conclure. Attention. Et c'est au fond. Ils creusent l'écart. Ils ont maintenant 2 buts d'avance. Non mais quel sang-froid. Il est allé au bout de son action pour marquer un but fabuleux. Et le doublé. Là, je crois qu'on peut le dire sans prendre de risque. C'est plié. C'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Oh, la victoire est vraiment méritée parce qu'ils avaient plus envie, parce qu'ils ont fait les bons choix et surtout parce qu'ils ont plus de talent.
Thank you.